bienvenue sur cet épisode 4 de Equestrian Challenge. Alors, bon, ça fait un petit moment quand même que je n'ai pas tourné l'Equestrian Challenge, donc il n'y avait pas eu d'épisode depuis un peu longtemps quand même. Mais c'est moi les mercredis après-midi que je tourne parce que pour avoir du temps déjà. Bon, après voilà, j'avais des devoirs, hein, donc et oui, c'est la vie. Du coup, j'ai pas forcément le temps de tourner, ou alors c'est un peu le bazar, du coup... J'essaie de tourner dans des conditions assez calmes pour que ce soit de bonne qualité. Voilà, voilà. Alors, donc, entre-temps quand même, parce que je n'ai pas trop des fois l'ambiance pour tourner, hein, je veux dire que ce soit calme. Et du coup, j'avais un petit peu entraîné le cheval, donc je crois que ses compétences, c'est à 50. Toutes les compétences sont à 50 sur 100. Donc pour les... Oh mon dieu, j'arrive plus à parler. Pour relever un petit peu ses compétences. Attendez, je sais même plus si on peut le voir. Ah voilà. Bon, vous voyez, c'est un peu plus qu'à 50. Vitesse 52, 152, environ 51, plus 51, ajouter 51. Voilà, voilà. Donc, voilà. Oui, ça fait un moment que je suis entraînée en fait, donc c'est-à-dire que ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas joué au jeu. Donc, je ne sais plus jouer. Je ne sais même plus quelles sont les touches, j'en sais rien. Je sais plus. C'est pas grave. Je vais découvrir ça avec vous. Ouais, on était à où dans les compétitions? Je sais qu'on avait... Oui, voilà, c'est ça. Bon, bah, on va commencer tout de suite avec Burgley. Un truc que je n'arrive absolument jamais à prononcer, je ne sais pas si ça prononce Burgley ou pas. Ok, ok, je sais plus comment on joue. Oh là là. Alors, attention, c'est parti. Bon, ça, je sais quand même. Il faut que je reprenne un petit peu la main. Ok. Ça va, saluer, c'est le truc environ le plus facile au monde. Alors que passer pas mal aussi. Donc j'ai mon minuteur, donc apparemment la dernière fois, personne ne m'a dit que c'était trop court, personne ne m'a dit que c'était trop long. Pour l'épisode 3, il dirait 17 minutes je crois. Donc donc je vais rester sur un timing ouais, de 17-20 minutes, je pense que c'est bien. Ça vous ennuiera pas, enfin j'espère. Parce que je sais que quand c'est trop long, bon, à force de voir toujours la même chose, c'est un peu pénible. Si c'est trop court, on n'a pas le temps de faire grand chose. Donc voilà. Donc on va rester sur un peu de 15-20 minutes. Voilà, voilà. Ah! Ah non! Mon dieu, une faute. Magnifique. Faut quand même savoir que là, c'est les premières compétitions. Hein, et c'est en 2 étoiles. Qu'est-ce que ça va être en 4 étoiles? Qu'est-ce que ça va être? Mon dieu! Pas y arriver, ça va être possible. Je vais devoir aller refaire en off les compétitions pour pouvoir continuer. D'ailleurs, après cette compétition, je crois qu'on va gagner un box, donc c'est à dire qu'on pourra avoir un nouveau cheval. Mais ce nouveau cheval, je vais pas le faire dans cet épisode, je vais le faire dans le prochain épisode. Et oui, j'ai je voulais tourner un épisode de la suite, mais en fait non, je pourrais pas. Parce que en fait je vais attendre vos commentaires. Attendez. Oui, c'est ça. Ouais bon, je vais vous expliquer ça pendant le cross. Ok. Ah. Ok, je prends bien les. Ah, c'est très bien. Bravo nous. Ok, cross country. Bon. C'est pas grave, je vais peut-être me déconcentrer un peu, c'est pas grave. Oui, donc je disais... Comment ça marche comme ça? Je disais, qu'est-ce que je disais? Ah oui. Vous me direz dans les commentaires le nom du cheval. Enfin, un nom. Un nom que vous voulez. Par contre, le nom du cheval, je choisirais un nom d'un des chevaux du Hara, d'Iberos. Donc ça veut dire que ce sera Lotus, Nuage, Fantôme, Maestro... Bon bah Moonant, Fléau, enfin voilà, tous les noms d'un des chevaux et de son régal, donc vous direz, et puis on verra quel je prendrai. Puis s'il y en a un qui ressort le plus souvent, bah je prendrai celui-là. Donc vous choisirez la couleur, donc je vous montrerai ce qu'il y a après. La taille, si c'est un ongre, un étalon ou une jument. Bon après bien sûr, si par exemple vous choisissez Fléau, ce sera pas une jument, hein. Enfin voilà. Soyons logiques tout de même. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, donc les compétences, tout ça, vous choisirez tout. Vous me direz tout ce que vous voulez.
Et puis Sarah, donc c'est un sang chaud, un pur sang ou un cheval de sport irlandais. Et t'as, elle craint tout, tout le et tout. Donc s'il y en a un qui ressort plus souvent, bah, je ferai celui-là. Sinon, bah, je prendrai mon préféré. Voilà, voilà. Voilà, c'est pour vous faire un petit peu participer, hein, que y a pas qu'il y a quand même vous qui regardez la série, donc c'est bien que vous ayez choisi aussi un petit peu les chevaux et tout ça pour vous faire un petit peu participer. Alors attention, alors ça c'est toujours un truc que j'ai extrêmement de mal à faire. Ouais. Génial. Voilà, voilà. Ah oui, t'es d'ailleurs dans les commentaires de l'épisode 3. On m'a pas dit qu'il fallait que j'arrête de crier. Je crois que au bout d'un moment, je crois que vous avez montré justement qu'il fallait baisser votre son parce que j'avais crié dans 3, 2, 1. Je crois que j'avais fait ça. Et bon, voilà, là ça va, je fais des bruits un peu bizarres mais je crie pas trop. Moi je parle un peu fort, je sais pas, j'en sais rien. Je ne sais pas, mais je peux pas en empêcher, c'est les émotions qui sortent toutes seules. Ok, bon, je vais pas faire un... ça va, bon, c'est mieux. Mais du coup... voilà, bah parfait. Voilà. C'est tout fait. C'est parti. Alors, une fois qu'on aura terminé ça, on fera... bon, on commencera les entraînements. Des 3 étoiles. Et puis... bah après ce sera tout. On aura peut-être même le temps de finir l'entraînement. Comme ça au début du prochain épisode, donc l'épisode 5, oui. Et bien on fera le cheval, le nouveau cheval. Et puis après on commencera les parcours 3 étoiles. Et puis après on verra aussi à la fin de chaque épisode, je vous demanderai si je n'oublie pas, quel cheval vous voudrez voir sur le prochain parcours, parce que vu qu'on va le finir pour en avoir un peu plus les chevaux. Donc quel cheval vous voudrez. Puis des fois je les entraînerai un petit peu en off pour qu'ils soient quand même à la hauteur. Comme ça vous choisirez le cheval que j'emmènerai en compétition et tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Oui c'est ça. Voilà, bah, nous avons terminé le... je sais pas. Voilà, on a terminé les premiers. Ouais. Génial. Wouh, oui, bon, du mêlée, du casque, tu vois, attention. C'est ça. C'est ça. Alors, j'ai gagné une bonne série, je devrais changer. Carole, c'est très bien. Entraînement 3 étoiles, c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, donc la star numéro 2, c'est donc je vais pouvoir avoir un deuxième cheval, mais ça ce sera vous qui déciderez dans... enfin, pour le prochain épisode. Ah là là. Donc c'est bien, on a gagné pas mal de trucs. On va tout de suite aller receller notre cheval. C'était pas ça. C'était ça. Voilà, perfecti. Normalement ça a marché. Oui, c'est bon. C'est parfait. Donc on va s'occuper de notre cheval vite fait. Et on va commencer les entraînements 3 étoiles. Coucou cheval. Oh loulou, les petits mounous. On aura peut-être le temps de terminer les entraînements 3 étoiles, j'espère. Comme ça on pourra débuter directement avec les compétitions. Donc je ne sais plus si je vous avais dit dans un... attendez, une petite seconde. Attendez. Ah, voilà, attendez. Voilà, pardon. Excusez-moi. je vais donner une carotte de trop, c'est pas grave. Donc, je disais, qu'est-ce que je disais? Ah oui, je ne sais plus si je vous avais prévenu, mais le let's play se terminera... il se terminera quand on aura fini toutes les compétitions, hein. Donc on n'ira pas jusqu'à la compétence sur du cheval. Quoique je pense que je l'entraînerai pendant les coupures. Enfin, pendant les œufs, donc je ne tourne pas. Pour que vous puissiez quand même avoir un aperçu des compétences du cheval quand il est au niveau 100. Voilà, voilà. Voilà, bah sinon... ouais, de toute façon ce sera la fin du jeu, hein. Donc le but de ce let's play c'est vraiment pour vous faire montrer... chaque entraînement, chaque compétition, et... pour faire tout découvrir de tout le contenu du jeu.
Puisqu'après, c'est clair que ce sera carrément ennuyant. Et je ne vais pas vous faire subir ça. C'est ça. Je suis un peu à la ramasse aujourd'hui. On va commencer par le seul obstacle. Hein. Alors. Voilà. Bon, alors. Bon, il n'y a pas le espace, il n'est pas énorme. Il n'est pas très très compliqué ce parcours, mais. J'arrive même pas à terminer. Qu'est-ce que je disais? Oh là mon dieu, mais c'est pas possible. Je sais pas si je suis dans les bonnes conditions pour tourner cet épisode. La peine, il y a n'importe quoi. Mais pas possible. Voilà, donc je sais plus ce que je disais. Si je crois que je disais que le parcours était facile quand il n'y avait pas l'espace. Et que l'espace c'est beaucoup plus compliqué. Wouhou! Après la manette! Voilà. Bon bah j'ai fait deux fautes, hein. Bon ça va. C'est pas extrêmement... D'accord. Hop, on va faire là, là et puis là. Hop, voilà, c'est parfait. Oui, je vais te montrer que mon dressage est suffisant. C'est parti. Oh mon dieu, attention, le dressage, ça va être beaucoup plus compliqué. Apprécie toutes les fautes que je vais faire. Bon, c'est aussi rapide que l'autre, hein, ça va, ça va pas augmenter. C'est un peu moins ennuyant parce que c'est beaucoup plus rapide que ce que j'étais en facile. Bon, c'est du coup aussi plus dur. Bon, ça va, pour l'instant rien de compliqué. Ça va arriver. Je me concentre, attention. Ok, il y a beaucoup plus difficile, je suis... Mes mains. Mes doigts plutôt. Ouh, le petit galop qui est... C'est sympa. Qui ajoute une petite note. Vous pouvez apprécier les jolis gestes de Mouni. Moi, je ne peux pas. Et regarder faire un dressage parfait pour le moment. C'est un magnifique reculé pour le moment, mais ne parlons pas trop vite. Si je vais finir par réussir. Me serais-je réveillée dans l'instant? Non, je ne sais pas. Oula oula, j'ai failli rater là. Ne parlons pas trop vite. Ok. Donc c'est dans ces moments-là que je vais me gourer. Wouhou! On arrive à la fin. Je pense à rien. Oui, on arrive au salut. Est-ce que je vais faire un sans faute? Non! Oh non! Oh non! C'est pas possible! Oh non, je suis dégoûtée là! Oh non! Oh. Bon, alors, si j'oublie pas au montage, j'avoue. Je vous prie d'ailleurs de ce cri immonde que je viens de faire. C'est pas grave. Oh non, mais je suis trop dégoûtée! La dernière! Mais non, mais bah, j'étais trop concentrée dans mon truc, voilà. Oh non. Rage, rage, rage. C'est pas grave, ce n'est qu'un jeu. C'est pas grave. Ah non, je suis trop dégoûtée, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que je suis dégoûtée du coup? C'est pas juste. Je suis trop nulle, ah là 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 là. Voilà, parce que c'était trop se concentrer, penser qu'on va réussir, et ben non, on se couvre à la dernière. Limite, ça aurait été l'heure dernière, j'aurais un peu moins ragé, mais alors, toute dernière. Aïe, 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 aïe. C'est pas possible, je vais où par là.
Faut que je me calme. Oh là 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 là, misère. Come on. Hop là. On va montrer qu'au cross, et ben on peut y arriver. Hop là. Hop là. Bon, j'ai pas touché au jeu depuis un moment, mais bon, ça a l'air pour le moment d'aller à peu près. Même s'il a cette dernière faute en dressage qui est un petit peu dégoûtante. J'ai oublié d'appuyer sur le sprint en fait. Ça, c'est ce que j'ai un peu oublié. J'ai le sprint à fond, à fond, à fond, à fond. Mais j'y arriverai jamais sinon. Allez, on sprint. Allez, Mamoun. Allez. Mais attention, vous pouvez y aller à l'obstacle, je sais. Voilà. Come on. Je vais connaître le jeu aussi, celui-là, je ne pourrais pas voir sinon. Come on. Allez, go, 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 Pascal, allez, go, 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 go. Wouhou. Oula, arrêt brusque, attention, hein. Ça, c'est de l'arrêt. Ah vache. Ouais. 62, 62. Et on va remettre un petit dans l'ambiance. Ah, c'est juste très heureux. C'est le dernier de vos entraînements 3 étoiles. Oh, vous êtes si heureuse. Ah. Bon bah. Donc là, je ne savais plus, mais donc dans les commentaires, vous me direz pour 2 chevaux. Donc ça, je choisirai 2. Donc on va s'occuper de notre cheval. Voilà donc votre mission quand vous regardez cet épisode. Donc c'est de me mettre le nom du cheval. Ah non attendez, 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 attendez. Disons ça va être n'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte? Je ne sais plus. J'en sais rien. Attendez. Je suis encore sous le choc là d'avoir raté mon dressage. Alors attendez, je vais vous montrer comment ça se passe. Hein. Bon, vous l'avez déjà vu quand j'ai créé Mounou, mais. Pour que vous vous souveniez, vous n'êtes pas obligé d'aller revoir le premier épisode. Tiens, mange. Mange. Et puis, bah, je vous montre ça, je change tous les petits trucs qu'il y a à faire, et après, bah, on pourra s'arrêter là. Puisque ça fait à peu près 20 minutes, pour l'instant on en est à 17 minutes. Et oui, j'ai pas oublié mon timer. Tintintin. Attention. Pour une fois. C'était pour qu'ils boivent plus longtemps. On m'a récupéré que le cheval boit alors qu'il n'a pas la tête dans le haut. Tout à fait. Voilà, c'est parfait. Au revoir Mounou, on reviendra pas te voir avant la fin de l'épisode. Alors là c'est les rires, je crois qu'il y a des trucs qui ont changé. À ce propos, si vous voulez, je change des fois les couleurs du cross, vous pouvez. Vous pouvez aussi me le dire, je changerai. Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. C'est moi qui ai halluciné. Bon d'accord. C'est pas grave. Alors donc je vous montre comment ça se passe. On fait créer un cheval, on va dans le vide. Donc voilà, vous me direz, le petit questionnaire, hein, pour choisir le nouveau cheval. Donc vous me direz si vous voulez un pur sang, un sang chaud, ou un cheval de sport réglementé. Vous me direz si vous voulez un étalon, un ongre. Ou une jument. Vous me direz si vous voulez qu'il soit petit, moyen ou grand. Ensuite, vous me direz si vous voulez bras comme ça. Bon, vous ferez par couleur. Donc le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, donc il y aura 12 couleurs, donc vous me direz le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ensuite les caractéristiques du pelage, donc pareil, vous me direz le 1, donc il n'y a rien, le 2 avec ça, le 3 avec ça, le 4 avec ça. Donc vous pourrez des petits tirets ou des slash pour que je puisse repérer ce que vous voulez. Et dans l'ordre, hein, parce que si vous me dites ça, puis après ça, et puis après ça, je m'y retrouverai pas, hein, d'accord. Les marques de la gueule, donc soit le 1, sans rien, soit le 2, le 3. Le 4, le 5, le 6. Ok. Ensuite, la crinière et queue. Au pire, vous mettrez couleur pelage égale numéro ou caractéristique pelage égale numéro, voilà. Donc crinière et queue, donc le 1, 2, 3, 4,
Auteur de Balza, donc le 1, sans rien, le 2 ou le 3. Empreinte des quartiers, bon, j'ai pas le but d'en mettre, mais si vous voulez en mettre, pourquoi pas. Donc le 1, sans rien, le 2 ou le 3. Ok ? Voilà, voilà, donc après, je sais pas quel cheval, hein. Donc vous me direz le nom que vous voulez. Et oui, après, je crois qu'il y a pas un truc, hein. Et après, vous me direz les compétences que vous voulez que j'augmente le plus. Vous me direz, fais le plus vitesse, fais le plus saut, fais le plus endurance, fais le plus confiance, c'est comme vous voulez. Et après, bah, après, on doit créer le cheval, donc voilà. Tu ne sauras pas créer, désolé, petit cheval. Voilà, voilà, donc vous pouvez faire ça pour deux chevaux si vous le voulez. Ou alors vous en faites qu'un, et puis comme ça j'en choisirai deux dans les commentaires. Et puis voilà, voilà. Bon bah, il est temps de se quitter. Et oui, déjà. J'aurais bien aimé en tourner un deuxième, mais vu que vous allez me dire quel cheval vous voulez, je préfère attendre et pouvoir le créer dans le début du prochain épisode. Et puis, comme ça, je l'entraînerai peut-être un petit peu en off, mais vu que je le... Enfin, en bref, on verra. On verra, on verra. Bon, alors j'oublierai pas de mettre mon petit cri que vous devez baisser votre son quand je crierai pour le dressage. Comme ça, vous ne vous casserez pas les oreilles. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'ai beaucoup parlé. Et oui. Bref, bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Et de laisser un commentaire, partage, favori, tout ce que vous voulez. Ça me fera toujours plaisir. Sauf les pouces rouges. Ah, c'est comme vous voulez. Bref, allez, à bientôt.